comme bon, je vais quand même répéter en deux mots de quoi on va parler durant cette heure. On va parler des revenus des artistes, comment générer des revenus avec sa musique en ligne, évidemment, puisque c'est le sujet de ce débat, comment vivre de sa musique en ligne. C'est un vaste sujet et pour essayer de serrer les choses, on a quand même trois participants qui connaissent bien le milieu, qui connaissent bien le terrain, si je puis dire. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez vous présenter vous-même, messieurs, ou bien je le fais rapidement? Christian, Édouard? Comme tu veux. Bon, je le fais moi. Je le fais moi. Voilà, Édouard. Édouard, d'abord, bonjour. Bonjour. Content de te revoir en ces circonstances. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais voilà, ton rôle est d'accompagner des entrepreneurs culturels à travers des financements, notamment financements participatifs. Tu es aussi un pourvoyeur de conseils à travers des programmes comme le programme Creatis, pardon. Tu es le fondateur de Palipali, qui gère aussi des lieux comme Siou, que l'on connaît bien et qu'on espère vite, dont on espère vite le retour. Et puis voilà, donc tu as une formation et une action en tout cas en animation socioculturelle et éducation permanente. C'est un milieu que tu connais bien. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, Edouard, dans la présentation de ton travail, mais tu t'occupes voilà de pas mal de Et tu t'es occupé aussi de pas mal d'initiatives culturelles et tes lumières, évidemment, seront les bienvenues durant ce débat. Christian Martin, Christian qui est donc à l'étranger, comme tout le monde le voit. Pas du tout, pas du tout. Tu es musicien, tu es président du conseil d'administration de Playwright, tu es compositeur, tu es ingénieur du son, tu es producteur artistique, tu es membre fondateur d'une société qui s'appelle Team for Action depuis fin des années 80, si je me souviens bien, 88. qui s'occupe de gens comme Stella, Musti, Kid Noise, qui s'est occupé aussi de Pierre Rapsat. Et tu as aussi un label qui est Blue Milk Records, dans lequel tu t'occupes de gens comme Noah Moon ou comme Johan. Et puis Jean-Baptiste Goubard. Salut Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y a énormément de choses évidemment à dire sur le parcours dans le métier, mais c'est d'abord quoi, de la radio? Ouais. Et puis, c'est l'accompagnement de projets artistiques grâce à des formations. C'est aussi l'édition musicale, c'est aussi quelque chose que tu as creusé suite à pas mal de formations. Tu as aidé en tout cas au développement d'une structure qui s'appelle Luck Music, qui s'était appelée par le passé Luck Records. Tu es, on va dire, manager, éditeur, producteur phonographique, distributeur. Ce sont toutes les activités que tu assumes au sein de Luck Music. Et puis, il y a un intérêt apparemment tout particulier pour le monde de l'Internet aujourd'hui, et notamment pour des plateformes comme Twitch. Je ne sais pas si j'ai été Tout à suffisamment fait. complet dans les présentations. Donc, bienvenue à vous trois. Merci d'être là. Bienvenue aussi à tous les participants d'aujourd'hui. On est à peu près une vingtaine là autour de cette table numérique. Et n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à poser vos questions. J'y serai attentif. Des questions qui ont évidemment trait au sujet que nous allons aborder. C'est compliqué de commencer de trouver une porte d'entrée à ce sujet. Comment gagner sa vie aujourd'hui et pour comment vivre de sa musique sur Internet? Je voudrais d'abord peut-être faire un tour de table, tout simplement. Ce sera peut-être une manière assez utile de voir un petit peu chacun de vous trois, vos points de vue, vos portes d'entrée sur cette question, quitte à voilà, peut-être abandonner certains sujets pour se concentrer sur d'autres sujets. Mais je vais commencer par Edouard. Quel est ton regard sur cette question? Et toi qui es justement dans ce domaine-là, plutôt un donneur de conseils, entre guillemets, quelqu'un qui justement est dans le comment dire dans ce métier pour tendre la main à des artistes et à leur apprendre finalement à devenir des entrepreneurs quelque part. Quel est ton regard sur cette question?
Ok, alors donc nous, on donne des conseils, on donne aussi des services en fait. On a deux plateformes, une que les artistes connaissent souvent assez bien, qui est en banque en financement participatif. Et puis en avril, on va lancer une nouvelle plateforme qui s'appelle A, qui va être un peu sur le modèle participatif, mais en live. Et donc, s'applique sur le live stream, mais c'est l'idée, c'est basé sur des modèles en Corée du Sud, d'avoir des revenus qui sont beaucoup plus réguliers, c'est vraiment une source de revenus digitaux régulière pour les artistes. Donc moi, ce que je vois du moment aujourd'hui, c'est que le modèle économique des artistes est fortement challengé quand même, pour dire le moins. C'est quand même assez évident. Après, il y a une nouvelle opportunité secret qui est assez fascinante, qu'on appelle une série, une très large série de sources de revenus différentes. Et l'enjeu pour les artistes aujourd'hui, c'est de faire correspondre leur ADN d'artiste et l'énorme palette de possibilités qui sont en face de quoi. Donc, il y a 3 ans ou 4 ans, on avait le crowdfunding à la rigueur que les artistes faisaient un petit peu, et puis le streaming. Là, je parle vraiment que pour le digital. Aujourd'hui, en fait, on a probablement une quinzaine de plateformes, de types de plateformes différentes et une trentaine de moyens de recevoir de l'argent entre les digital goods, le tipping, l'abonnement, etc., etc. Donc maintenant, l'enjeu, c'est moins d'avoir des solutions pour se monétiser, pour monétiser son travail. L'enjeu, c'est de trouver la bonne manière de le faire et de bien l'exécuter, je pense. Est-ce que, et puis je passerai évidemment aux deux autres invités, tu parles du moyen en effet de générer des rémunérations, de l'argent à travers voilà, toutes ces solutions. Est-ce que tu offres aussi des possibilités à tous ces artistes de se faire connaître aussi? Parce qu'il y a évidemment le fait d'être rémunéré, mais il y a aussi évidemment le fait d'être remarqué sur la toile, ce qui est de plus en plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a par jour, je ne sais pas combien de 60 000. 60 000 nouveaux morceaux qui déboulent sur le net. Donc, est-ce que tu as aussi pensé à des solutions pour que ces artistes puissent émerger et être voilà, sortir la tête de la masse, si je puis dire? Bah, en gros, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est assez le phénomène qu'on voit, à mon avis, il est relativement simple. C'est que, et en fait, parce qu'il est relativement naturel, c'est que la monétisation des artistes, tout le monde comprend aujourd'hui qu'elle passe pas par une grande exposition, mais par la mobilisation des fanbases, en fait. Donc, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde se recentre sur les fans et les super fans d'un artiste, parce que c'est eux qui participent à la fois à sa notoriété et à ses revenus. Donc, l'illusion jusqu'à encore assez récemment, c'était de croire qu'on monétisait un artiste sur les grandes communautés. Alors, c'est possible, évidemment, mais seulement quand on est un artiste international très reconnu. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, on monétise un artiste sur sa fanbase. Donc, le crowdfunding l'avait très bien compris depuis longtemps, mais c'était un moment assez précis de la carrière d'un artiste. En fait, aujourd'hui, cette logique de super fan qui finance, elle commence à s'étendre à l'ensemble de l'économie. Il y a une statistique que j'ai vue cette semaine qui m'a fait quand même assez rigoler. Si vous êtes sur Twitch et que vous avez plus de 51 personnes qui vous regardent, vous êtes le top 1% des streamers sur Twitch. Ce qui prouve qu'en fait, il y a énormément de gens qui parlent à des communautés qui sont très petites. Et en fait, maintenant, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on maximise notre interaction avec ces communautés et comment est-ce qu'on les fait vivre. Et hey, typiquement, mais on n'est pas les seuls dans ce domaine, mais il y a beaucoup de tous les projets un peu start-up qui sortent en ce moment adresse très largement cette question. Ok, on reviendra bien sûr à toi et pour creuser tous ces sujets. Je passe la parole à Christian. Christian, je le rappelle, bon, tu es à la tête, tu es éditeur, tu as un label de disque, tu es dans le métier depuis longtemps, puis tu es président du conseil d'administration de Playwright. Quel est ton regard et quelles sont tes réflexions par rapport, voilà, en guise d'introduction à ce sujet? Ouais, moi, je dirais que je vais d'abord m'exprimer en tant que président de Playwright. C'est vrai qu'on peut faire un constat, que tout le monde sera d'accord là-dessus. Les revenus sur les exploitations numériques sont insuffisants pour tout le monde pour le moment. Et c'est dû toute une série de choses, mais aussi au fait que le cadre juridique
de notre cadre juridique qui régit un peu tous les rapports au niveau de la musique et ancien, et basé sur une autre technologie, un autre modèle économique. Et donc, tout l'enjeu maintenant est d'adapter ce cadre juridique pour l'adapter aux nouveaux modèles économiques que sont les exploitations numériques. La Commission et le Parlement européen l'ont bien compris puisqu'ils ont voté une directive européenne en 2019 justement est censée régler un peu tous ces problèmes, adapter le copyright sur le marché unique numérique. Cette directive doit être transposée dans tous les États membres avant juin 2021, donc c'est maintenant que ça se passe. Et voilà, Playwright, nous sommes en discussion avec tous les cabinets du Premier ministre, du vice-premier, et surtout du ministre de l'économie qui doit proposer la transposition de la directive dans la loi belge maintenant. Donc je rappelle quand même qu'est-ce que c'est Playwright, peut-être pour les gens qui ne connaîtraient pas dans les participants. Donc Playwright, c'est la société belge de gestion collective des droits voisins des interprètes. Donc nous sommes un peu au droit voisin des interprètes, ce que la SABAM est au droit d'auteur. Voilà. Je voudrais simplement revenir sur une des choses que tu as dites, dont on va parler de cette directive évidemment. Cette directive, elle va amener quoi de neuf? Elle va changer quoi à la situation d'aujourd'hui? Parce que la situation d'aujourd'hui est que, par exemple, sur un abonnement que moi je vais prendre, par exemple, sur Spotify ou sur une autre plateforme, l'artiste, il gagne, on va pas dire peanuts, mais enfin, c'est quand même pas énorme ce qu'il gagne. Est-ce que c'est à ce niveau-là, Christian, que la directive va intervenir? Oui, disons que la directive émet des grands principes. Elle ne dit pas aux États membres comment appliquer ces principes. C'est-à-dire c'est un peu ça le problème, c'est qu'elle donne comme principe que les ayants droit doivent être protégés et on doit vraiment veiller à ce qu'ils soient aussi protégés sur le marché numérique qu'ils ne le sont en dehors du marché numérique. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième notion, c'est la neutralité technologique. Donc, quand on communique de la musique au public, que ce soit en analogique, je vais dire, ou en physique, ou sur le marché numérique, normalement, il devrait y avoir le même type de revenus, puisque c'est un principe que l'Europe défend beaucoup, la neutralité technologique. Donc, par exemple, il y a deux articles importants dans la directive, l'article 17 et l'article 18. L'article 17 qui dit qu'on doit avoir une licence pour exploiter un enregistrement sur le marché numérique. Donc, tous les utilisateurs, par exemple sur les plateformes de partage de contenu, quand ils déposent un enregistrement sur ces plateformes, doivent avoir un accord. Enfin, on doit normalement négocier un accord avec la plateforme. Ça, c'est la première chose. Et l'article 18 qui dit que les auteurs et les interprètes doivent avoir une rémunération appropriée et proportionnelle. Ce sont les deux termes de la directive. Mais elle ne dit pas comment obtenir cette rémunération appropriée et proportionnelle et qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça représente? Ça n'est pas dit, c'est la liberté aux États membres est laissée pour que chaque État membre invente ou copie peut-être d'autres modèles qui ont déjà été faits, parce qu'il y en a d'autres, pour implémenter dans la loi belge, enfin dans la loi de tous les États membres, un système pour garantir ces principes. Une toute dernière question avant de passer à Jean-Baptiste. Patience, Jean-Baptiste, j'arrive vers toi. Tu parlais justement de cette directive et de son application ici en Belgique. Tu as l'air bien informé. On en est où aujourd'hui? Puisque normalement, cette directive devrait être aujourd'hui signée dans quelques semaines. On sait à quel point personnel politique a d'autres chats à fouetter que la culture, malheureusement. Ça en est où? C'est en pleine discussion, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de travail intercabinet qui est en place pour mettre au point le texte qui va être proposé au Parlement. Donc c'est maintenant que ça se joue. Ce texte est basé sur les conseils d'un organisme qui s'appelle le Conseil de la propriété intellectuelle qui représente tous les ayants droit, des experts, juristes experts, et qui ont discuté de cette transposition pendant des mois.
nous, en fait, on milite évidemment pour l'implémentation d'un droit à rémunération incessible dans la directive, ce qui n'est pas mis pour le moment dans la directive. C'est un mécanisme pour pouvoir garantir des revenus à tous les interprètes sur le marché numérique. Donc, c'est un peu pour garantir une neutralité technologique par rapport à ce qui se fait dans le monde physique, puisque dans le monde physique, il y a des droits à rémunération, qui est la rémunération équitable, la rémunération pour copie privée. Tous ces droits existent dans le monde physique, mais évidemment ne sont pas applicables au marché numérique pour le moment. Donc, ce que nous, on propose, c'est d'implémenter un droit à rémunération incessible, donc que l'interprète ne peut pas vendre, et donc on ne peut pas lui acheter, et qui est géré évidemment en gestion collective, parce qu'il y a un autre principe de la directive, c'est que la directive reconnaît la position de faiblesse de l'auteur et de l'interprète, la position de faiblesse contractuelle. Donc c'est clair que l'interprète belge est en position de faiblesse extrême par rapport aux grandes plateformes, aux GAFAN. Voilà, c'est évident, et ça, la directive le constate. Donc, c'est un moyen de la gestion collective, on le sait, est un moyen de s'unir pour être beaucoup plus fort, pour négocier et pour avoir des accords collectifs beaucoup plus grands et avec une négociation beaucoup plus importante et une protection pour tout le monde. D'accord. Enfin, Jean-Baptiste, je te passe la parole. Quel est ton regard? Quels sont pour toi les enjeux aujourd'hui par rapport à cette question? Là, on vient de parler de directives, on vient de parler avec Edouard également de solutions qui existent, de pistes qui existent. Pour toi, quels sont les enjeux principaux, les problèmes principaux, les enjeux? Très, très grande question, du coup. Ouais. Parce que, déjà, il y avait, je pense qu'il y avait des enjeux et des changements qui arrivaient déjà depuis quelques années, depuis déjà début des années 2000 avec la crise du disque, l'arrivée du numérique, du digital. Il y a eu des gros problèmes de droits, de législation avec des droits de catalogue par Spotify, avec les majors qui ont fait des procès, tout ça. Déjà, ça a installé une ambiance un petit peu délétère. Et du coup, les gens ont trouvé des arrangements, mais entre eux, à une très grosse échelle, qui a créé des rapports de force vraiment pas super pour l'Europe, justement. Donc, cette directive, c'est une très bonne chose. Mais on a rajouté à tout ça le Covid et donc le live qui a totalement cassé les économies de tout le monde, en fait, je pense. On a beaucoup, beaucoup d'enjeux, en fait. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Mais c'est très dur de se projeter. Après, il faut accepter ces rapports de force et effectivement comprendre que il y a 60 000 morceaux, comme on disait, par jour uploadés sur les plateformes. Donc, il faut surtout comprendre quel est son projet. Moi, c'est ça le conseil que je donne souvent. C'est essayer de vraiment comprendre ce que vous voulez faire et aussi intéressez-vous un peu aux droits voisins, aux droits d'auteur. Essayez de garder savoir aussi pour vous et pas vous dire « il me faut quelqu'un pour le gérer à ma place ». Et ça, c'est, je pense, les gros changements à venir. Il y a 25 ans, les artistes pouvaient se permettre ça. Ne pas s'intéresser aux droits d'auteur. Maintenant, c'est fini. Je pense que c'est un savoir qu'il faut démocratiser et reprendre un certain contrôle sur ça. Et aussi, vraiment s'engager. Les sociétés de gestion collective, pour moi, ça a toujours été un beau principe parce que justement, on a envie de s'engager, on a une part sociale, on vote et on s'engage, en fait, on s'investit. Et mine de rien, c'est quand même un des derniers domaines de notre société où on peut encore faire ça. Ça veut dire, si je t'entends bien, que tu plaides ou que tu plaiderais, d'ailleurs pour une information, ça c'est clair, une grande information, une meilleure information pour partir d'un bon pied dans ce métier, mais plus une tendance à devenir plus indépendant par rapport à quoi? Par rapport aux maisons de disques, par rapport aux labels? J'aimerais bien comprendre en fait ce que tu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le monde du web, le monde, c'est beaucoup plus facile de s'autoproduire finalement dans son coin, c'est moins facile de se faire connaître. Mais est-ce que tu plaiderais pour une carrière plus indépendante pour les artistes? Justement, en fait, c'est... Il faut comprendre ce qu'on veut faire. Y a des chaînes YouTube de Lofi, par exemple, qui font des millions de vues avec des instrus hip-hop instrumentaux, donc sans voix. Et ces gens-là ne sont pas inscrits principalement, majoritairement, dans les sociétés de gestion et tout, puisque leurs revenus digitaux sur YouTube suffisent.
Donc, si par exemple un artiste veut juste faire ça, bah, je ne vais pas lui dire va te renseigner pour faire des résidences dans des salles, parce que je sais très bien que lui, ses revenus, ça va être ça. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est comprendre où on veut se placer. Un artiste peut être totalement autoproduit dans sa chambre, mais s'il a envie de monter un groupe de musique classique, ça va être compliqué. Et c'est ça, en fait, ça dépend vraiment du style de projet et de l'ambition du projet. Et ça ne veut pas dire qu'un projet peu ambitieux, et je mets des guillemets, puisque ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien du tout, mais un projet peu ambitieux peut totalement vivre de sa musique. Mais c'est juste comprendre à quelle échelle et quels frais il devrait engager pour se rembourser et créer des revenus. C'est pour ça que, en général, j'évite de sortir un tutoriel de comment ça fonctionne. C'est vraiment essayer de comprendre dans quelle typographie on est et essayer d'avancer. Et c'est vrai que des choses comme Twitch, par exemple, Discord pour créer des communautés, c'est extrêmement important en ce moment. Et c'est pour ça que c'est un peu dur de passer après vous, parce que je pense que vous avez déjà bien résumé les choses. Oui. C'est juste que ce qui est important pour moi, c'est vraiment comprendre où on se place. Est-ce que tu rejoins en cela ce que disait Edouard il y a quelques minutes, à savoir que aujourd'hui la solution serait peut-être de s'adresser à d'abord identifier une, on va dire, je vais dire niche, bien que le mot ne soit pas très joli, mais en tout cas, comme tu disais, peut-être une fanbase, ce qui n'est pas évident de faire ça seul, mais bon, bref, on peut être aussi secondé. Est-ce que c'est la solution à ton avis? Donc j'ai fait plusieurs formations en France, j'ai travaillé dans des plus ou moins grosses structures, en stage ou pas, et j'ai pu observer un peu les choses. Et moi, j'ai fait le choix de venir à Liège développer Like Music parce qu'il y avait de la niche. Je suis éditeur d'un groupe de punk hardcore, par exemple. Moi, c'est effectivement, je ne vais pas dire « faut pas », parce que c'est ma stratégie, en fait. C'est que moi, je travaille vraiment, je suis manager des Brums, c'est de l'électro-jazz. J'essaie vraiment, je pense que les super fans, la niche, effectivement, c'est eux qui vont avoir tendance à s'engager auprès des projets et à vouloir les soutenir. Et c'est là qu'on peut créer une économie. Il faut le dire, il faut en parler. Et effectivement, je pense que c'est un peu l'avenir. Et Twitch, son économie ne tient qu'à ça, quoi. Il y avait Patreon. Quelque part, à une économie à taille humaine, quelque part. Exactement, de la sobriété. Et au final, je pense que c'est dans l'ère actuelle. Alors, en fait, si je peux me permettre, ce n'est pas forcément une économie de la sobriété. C'est-à-dire que c'est juste un changement de mindset. Mais par exemple, la plus grande communauté de superfans du monde, c'est les superfans de BTS, qui sont le plus grand groupe du monde. Et la manière dont ils se conçoivent, eux, ils s'appellent eux-mêmes une armée. C'est une armée. Donc, tous les groupes de K-pop, en fait, ils sont obsédés par une chose, c'est avoir la plus grosse armée, avoir l'armée la plus dynamique, la plus puissante, etc. Donc, en fait, cette logique de super fan, elle est effectivement, elle commence petite, mais elle n'a pas de limite potentielle. Et donc, BTS, qui est aujourd'hui le plus gros groupe du monde, c'est aussi la plus grosse communauté de super fans du monde. Donc, c'est vrai qu'à nos échelles, à nous, évidemment, ça concerne plutôt des communauté plus petite et plus humble et tout ça, mais en fait c'est plus un changement de mindset qu'un changement d'état d'esprit, pardon, plutôt qu'un changement de taille. Ok, mais je voulais justement revenir vers toi, Edouard, parce que bon, c'est bien beau de dire qu'à un moment donné, que les artistes aujourd'hui doivent devenir entre guillemets des entrepreneurs, doivent être au courant finalement de ce que avant, voilà, ils s'en moquaient un petit peu. Enfin, je veux dire, ils avaient un producteur, un label, une maison de disques, et puis on essayait de faire sa vie avec des disques, des passages radio, des clips et des concerts. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Comment s'informer ? Parce que ça m'apparaît, moi, qui ne connais pas bien le métier, enfin, qui la connaît, mais derrière la frontière, ça m'apparaît vraiment comme une espèce de jungle. Donc, du coup, comment, si moi, je devais commencer une carrière artistique dans la musique, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour m'informer, pour savoir ce qui se passe exactement et pour me connaître aussi, pour essayer de déterminer quelle est la niche, quelle est la fanbase vers laquelle je dois me diriger? Parce que c'est un petit peu ça qu'on fait aujourd'hui. C'est donner des conseils. Quels seraient les conseils que tu me donnerais? C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, là, je pense qu'on est à un moment où tout le monde est en train de se former, en fait. Donc, c'est quand même… donc, Patreon, ça existe depuis longtemps. Twitch, ça commence à exister depuis longtemps, mais les usages sont quand même un peu nouveaux.
Twitch et la musique, ça fait peut-être 2 ans que ça existe vraiment. Et il y a des nouvelles manières de monétiser qui sont toujours nouvelles. Hier, sur TikTok, par exemple, TikTok vient d'introduire dans les lives la capacité de rétribuer les lives. On envoie le serveur sur l'écran et l'argent est versé directement à l'artiste, par exemple. C'est une logique qui existe du Sud aussi depuis assez longtemps. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout figé, c'est pas une nouvelle compétence qu'il faut apprendre maintenant et qui va vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est livrée par un très gros acteur ou par des plus petits, des nouveaux opérateurs comme nous qui allons lancer à échelle locale. Mais voilà, TikTok il sort des fonctionnalités tous les jours, Instagram ils vont aussi, Clubhouse, etc. Donc il y a des nouvelles possibilités qui sont tout le temps. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment tout le monde se forme à ces questions. Vos labels ils reçoivent maintenant 10 newsletters tech qui les forment sur ces questions, quoi. Donc je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de se former soi-même. Il y a des super blogs, des super articles qui permettent de s'informer dessus. Il y a un terme maintenant qui fait derrière lequel tout le monde se retrouve, qui est vraiment cette notion de créateurs économiques qui regroupe la musique, mais aussi les influenceurs. Parce qu'en fait, la musique s'aperçoit que les influenceurs font ça depuis déjà assez longtemps. Et ils se disent, mais en fait, pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas alors que notre contenu, il est souvent bien meilleure qualité que celui des influenceurs? Donc, c'est une formation qui est en cours, elle n'est pas achevée. Alors, ceux qui vont vous aider à le faire, c'est qui? Bah, c'est les gens qui vous accompagnent en règle générale. Donc, Loïc, typiquement, Christian aussi dans son domaine. En fait, tout le monde se forme à ces questions. Donc, les personnes qui vous conseillaient avant sont aussi les personnes qui vous conseillaient pour ça. Après, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas hésiter à choisir des plateformes desquelles on est proche. C'est-à-dire que souvent, quand on veut se lancer en live stream ou on choisit des grosses plateformes et c'est des grosses plateformes sur lesquelles on n'a pas d'accompagnement. Et là, on est un petit peu envoyé au charbon et on est un peu envoyé au front et on se fait exploser. Et en fait, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc, je pense qu'on a eu souvent ça entre KissKissBankBank et Kickstarter, par exemple. Il y a eu un premier mouvement où les gens choisissaient la plateforme américaine parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient gagner plein d'argent avec les États-Unis. Et en fait, ils se sont aperçus que d'être sur une plateforme qui est assez grosse, mais plus locale, avec un vrai accompagnement, ça les aide. Donc, je pense que choisir les plateformes, c'est se former soi-même, faire attention à ce que les gens qui vous accompagnent se forment aussi, les challenger sur le fait qu'ils se forment. Et puis choisir des outils, des partenaires, des plateformes qui sont capables de vous accompagner, quoi. Quand je me suis documenté sur ce sujet, j'ai appris plein de mots nouveaux parce que c'est un domaine où les choses bougent beaucoup. Je voudrais qu'on parle peut-être maintenant des pièges qu'il faut éviter quand on se lance, puisqu'on est ici en train de parler justement de ce qu'il faut faire et peut-être aussi ne pas faire. J'ai entendu des mots comme agrégateur, par exemple, qui sont ces gens qui, entre guillemets, sont des distributeurs numériques qui peuvent vous diriger à gauche ou à droite suivant la musique que vous faites, suivant le public que vous recherchez. Il y a aussi des curateurs de playlists qui peuvent vous filer à gauche et à droite dans certaines playlists. Moi, j'entends parfois, selon certains, que ça peut être des pièges, qu'il y a parfois des mafias qui profitent un petit peu aussi d'une forme d'incompétence des artistes dans ces domaines-là, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est juste qu'ils ne sont pas expérimentés. Est-ce que quelqu'un peut me parler de ces pièges-là, et quels sont les autres pièges éventuels qui, moi, m'auraient échappé, mais qui peuvent attendre au tournant les artistes émergents, les artistes qui démarrent dans ce métier? Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus. Je peux parler un petit peu, ouais, de par exemple l'achat de stream, ce genre de choses. Il y a beaucoup de sites qui vous proposent ça, hein, sur Google. Vous tapez, vous trouverez, c'est 150 €, vous aurez 50 000 streams et vous les aurez vos streams. Mais en fait, c'est des fermes en Chine avec plein de téléphones qui tournent en boucle et ça n'a aucune valeur à part économique, hein. Vous aurez l'argent de votre stream, mais en fait, ça n'a aucun sens. Vous ne créez pas du tout une communauté, c'est juste du vent. Déjà, ça, c'est un des pièges, croire que ça, c'est une solution. Après, il y a d'autres choses aussi. Il y a des gens qui vont vous parler de placement de playlist. Et il y a beaucoup de playlists, en fait. Bah, il y a 70 000 abonnés, mais en fait, si tu veux proposer ton morceau à cette playlist, tu es obligé toi-même de t'abonner. Et en fait, c'est plein de morceaux de gens qui veulent être connus, mais ils ne vont pas écouter la playlist. Et donc,
Voilà, il y a déjà ce genre de piège, moi, que j'ai vite repéré et qui m'a un petit peu donné, enfin, fait je riais jaune, quoi. Parce que forcément, quand tu ne sais pas, tu peux te faire vite avoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait de l'argent comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve dommageable. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc pour moi, il y a ces deux pièges-là importants. Christian? Oui, c'est vrai, moi je suis assez d'accord. Ben, c'est vrai qu'en tant que label, on est tout le temps confronté à des gens, des artistes qui nous disent mais pourquoi on n'achète pas des streams, pourquoi on n'investit pas un budget pour promouvoir le titre sur une playlist. Voilà. Et bon, c'est un piège parce que d'une part, on paye toujours beaucoup plus cher que ce que ça rapporte, mais beaucoup. Et d'autre part, si ça rapporte effectivement des streams, ça peut-être, mais effectivement en Turquie ou en Inde, et ça, non seulement ça ne rapporte rien en termes de revenus, ça coûte, mais aussi ça déstabilise complètement les algorithmes qui sont censés repérer ce qui se passe. Il faut quand même bien dire, les curateurs de playlists, il y en a de moins en moins. Dans 2 ans, il n'y en aura plus du tout. Toutes les playlists seront algorithmiques. Pour le moment, il y a peut-être 50% des playlists algorithmiques. Les 50% qui restent, c'est moitié-moitié. Disons, c'est algorithmique, mais avec des humains qui les fournissent. Et donc, ça dévie les algorithmes et ça rend votre projet incompréhensible pour un algorithme. Et même pour les professionnels aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de streams en Turquie pour que on se dise, ah oui, ça commence à marcher. Non, il faut que tous les indicateurs soient en phase. Il faut que les followers sur Instagram, il faut que tout ça se fasse un tout et cohérent. Et croire qu'on peut avoir une playlist internationale qui ramène des millions de streams et qui font démarrer des concerts. Non, c'est un mirage. C'est un mirage que beaucoup d'artistes ont pour le moment. Et voilà, je suis aussi d'accord qu'il faut se concentrer là où on est. Avec une fanbase et la développer, et à la limite, travailler sur le local aussi. Et étant belge francophone, voilà, on n'a pas d'autre choix de toute façon. On est nous-mêmes en position de faiblesse par rapport à l'international, puisque aucune plateforme importante comme Spotify, Deezer ou Apple ne sont en Belgique. Il n'y a personne qui gère. Donc, il y a une personne à Amsterdam. Pour Spotify et là, sans doute une à Paris aussi. Donc déjà, c'est déjà différent pour Spotify. Et voilà, il y a des playlists belges, purement belges. C'est celles-là qu'il faut essayer d'obtenir. Et ça c'est compliqué, évidemment, parce que personne n'a accès aux curateurs de playlists qui sont à Amsterdam, si ce n'est évidemment les multinationales et peut-être de très, très gros indépendants. Mais très, très peu. Je tiens à dire que sur Spotify, en tout cas, maintenant, le Spotify for Artists, cette plateforme, si on connaît comment l'utiliser, les timings et tout, ça fonctionne. Moi, j'ai eu des playlists, alors belges au début et internationales de niche, et uniquement comme ça. Hein. Je ne Absolument, connaissais personne. Et ça, absolument. c'est important de connaître et de se former sur ces questions-là. Absolument. Il faut vraiment se former tous les jours, tous, dans tous les domaines. Bon, il y a bien sûr le développement de la musique sur Internet, mais les technologies sont partout. Je veux dire, moi, je me forme aussi en tant qu'ingénieur du son. Je suis obligé de tout le temps de voir ce qu'il y a de nouveau. Pour pouvoir enregistrer mieux, plus facilement les choses. Donc, on doit tout le temps se former, ça c'est clair. Et les choses vont de plus en plus vite. Chaque jour, ça change, quoi. On ne peut pas dire, ah oui, ok, maintenant j'ai compris, je reverrai ça dans 6 mois. Non, dans 6 mois, ce sera complètement différent. Est-ce que c'est une des questions que je me suis posée aussi en préparant ce sujet, parce qu'on s'imagine, voilà, on parle de plateformes, de musique, de streaming, etc. Donc on se dit, c'est surtout pour un certain type de musique. Est-ce que la situation est la même? Moi, j'ai pensé aux artistes qui évoluent dans le domaine du jazz, qui évoluent dans le domaine du classique. Ils sont nombreux dans ce pays, et avoir vraiment beaucoup de talent et essayer d'émerger aussi. Est-ce que la situation n'est pas encore plus compliquée pour ces artistes-là, dont le public est différent et n'est peut-être pas justement forcément sur les mêmes réseaux? Oui, effectivement, tu as raison. 70% du streaming mondial, c'est du hip-hop. 70%.
Donc, effectivement, le jazz, par exemple, toutes les musiques de niche sont plus compliquées à développer sur Internet. Et en même temps, c'est peut-être plus facile aussi d'atteindre sa niche. Voilà, donc on peut peut-être ici parler des deux manières de calculer la valeur d'un stream, puisque la plupart des plateformes calculent la valeur de leur stream sur l'ensemble du streaming mondial, donc tout ce que cela rapporte, moins leur commission évidemment, est divisé par le nombre de streams. Et donc on a une petite partie de cette valeur chaque fois qu'un morceau est écouté. Il y a un deuxième modèle que oui, donc Deezer, c'est un peu le modèle du pot commun, c'est ça que tu veux dire. Voilà, le modèle du pot commun. Il y a un deuxième modèle que Deezer est en train de développer, voilà, qui est basé sur l'utilisateur. Donc, un utilisateur qui paye 10 euros pour s'abonner à une plateforme, eh bien, ces 10 euros, moins la commission de la plateforme, seront partagés entre les différents morceaux qui ont été réellement écoutés par cet utilisateur. Et donc, c'est basé sur ce que lui écoute. C'est censé être favorable plutôt aux musiques qui ne sont pas qui sont pas mainstream, donc pas celles qui sont le plus écoutées sur les plateformes de streaming, donc le hip-hop. Donc, pour tout ce qui est jazz, classique, thrash metal, toutes ces musiques, normalement, sur papier, ça devrait être plus favorable. Mais il y a des études qui montrent que ça n'est pas forcément. Impala a fait des études là-dessus, et c'est pas si clair que ça parce qu'il y a des effets pervers. Donc c'est très compliqué de savoir réellement quel serait l'impact si on changeait de modèle. SoundCloud vient de le faire, mais SoundCloud en Belgique, c'est pas une plateforme qui c'est plutôt une plateforme pour se faire connaître, non? C'est une plateforme professionnelle, je dirais. Ouais. C'est une plateforme sur laquelle les artistes mettent leur musique pour être écoutés, que ce soit par d'autres professionnels ou même une fan base. Donc, SoundCloud vient de le faire, mais comme il n'y a pas de revenus de SoundCloud en Belgique ou tellement peu que c'est insignifiant, donc on ne sait pas vraiment faire la comparaison. Je voudrais peut-être refaire, parce que ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on remarque quand même que les revenus de l'industrie du disque ont connu évidemment une chute jusqu'en 2014, je pense, et puis c'est en train de remonter. Là, je pense qu'on est dans les chiffres de 2002-2003. Comment se fait-il que l'industrie du disque continue à grimper et qu'à côté de ça, les artistes de plus en plus nombreux? Mais oui, mais c'est une vaste question, mais je dirais, il faut qu'on en parle. C'est une bonne question parce que... Comment se fait-il que les artistes ont de plus en plus de mal à tirer leur épingle du jeu et à finalement se rendre compte que c'est tout le temps les mêmes, souvent les mêmes, sur ces plateformes de streaming qui décrochent la timbale, quoi? Oui, c'est une bonne question. Oui, que dire C'est pas facile. Tous les chiffres, en tout cas, qu'on nous présente sont toujours des chiffres mondiaux. D'abord, oui, c'est un premier problème. Tous les chiffres, ce sont des chiffres sur l'ensemble de la musique dans le monde. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions belges pour un type de musique avec ces chiffres. C'est clair que le hip-hop, c'est clair que les multinationales ne se plaignent pas du streaming. Donc, pour les multinationales, je pense que le streaming est une bonne affaire et que, quelque part, ils rattrapent le retard qu'ils ont pris à cause du piratage d'il y a 15 ans, où ils ont perdu beaucoup de parts de marché. Ils se rattrapent maintenant parce qu'ils ont mis en place un système qui les avantage. J'ai une question. Enfin, peut-être que Jean... Tu voulais rajouter quelque chose? Non, en fait, c'est très bien dit, c'est ça. Il y a des chiffres, plus de 90% des revenus Spotify, c'est 10% des artistes, et c'est les majors, et c'est comme ça, et c'est ça, en fait, ils ont créé un système. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a eu des procès, des menaces, des pressions à l'arrivée de Spotify, Deezer. Il y a eu des deals secrets entre les majors et les plateformes, et c'est là le problème. Ça, on peut peut-être dire aussi, c'est qu'effectivement, c'est un très, très gros problème le modèle économique de streaming sur le numérique est tout sauf transparent. C'est absolument pas transparent et absolument pas équilibré, puisqu'il y a des plateformes, Apple Music paye pratiquement deux fois plus pour la valeur d'un stream que Spotify, qui pourtant, Spotify est dominant
dans certains marchés, pas dans tous, mais en tout cas en Belgique, c'est le Spotify qui est dominant. Deezer est entre les deux, et YouTube, c'est 10 fois moins que Spotify. Pour le même acte, c'est l'acte de diffuser une fois pour un auditeur un morceau. Donc c'est ça qui ne va pas, c'est que pour la même chose, quelqu'un paye 1, d'autres payent 10, et une troisième plateforme paye 100. Mais Christian, est-ce qu'une directive peut changer quelque chose à cela ? Bien sûr. Face à des géants, non ? C'est quand même... Oui, bien sûr, la directive, c'est le but de la directive, c'est d'avoir une rémunération appropriée et proportionnelle en fonction du succès. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rééquilibrer les forces en présence, c'est-à-dire essayer que tout le monde paye plus ou moins la même chose, qui est quand même un petit peu difficile à imaginer, ou alors c'est que dans chaque structure, le système de rémunération soit différent, qu'on oublie cette histoire de pot commun et qu'on aille plutôt vers des choses qui sont, puisqu'on parle de niche et de cible, qu'elles soient ciblées et que le stream, que la rémunération soit proportionnelle au stream effectué. Déjà qu'il y ait une certaine justice dans la manière dont les différents interprètes et différents auteurs sont rémunérés. Mmh. C'est ce qu'on veut faire chez Playwright, c'est insister pour ce droit à rémunération, car aujourd'hui, un musicien de studio, par exemple, qui jouerait sur un enregistrement, qui est payé donc une somme fixe pour jouer et en même temps pour céder ses droits exclusifs de communication publique, exploitation, reproduction. Donc, il est payé, par exemple, 300 euros pour jouer sur deux titres. Ces deux titres passent à la radio. Eh bien, il touche une rémunération équitable par la société, la gestion collective, donc par Playwright en Belgique. Quand ces deux titres sont diffusés sur une radio web, sur une playlist Spotify ou sur YouTube, eh bien, ils ne gagnent rien. C'est rien du tout. Donc, il y a une injustice totale, un problème de neutralité technologique. Et c'est bien ça qu'on veut essayer de résoudre dans le système. Ce n'est pas un système qu'on a sorti de notre chapeau. C'est un système qui existe dans d'autres pays et qui existe par exemple en Espagne, puisque l'Espagne l'a fait en 2006, donc ils sont vraiment précurseurs. Ils l'ont mis dans la loi espagnole en 2006, un droit à rémunération. Ils ont commencé à toucher de l'argent en 2012 de iTunes. Apple Music n'existait pas encore, c'est iTunes. Et puis maintenant, ils sont pratiquement à 100% des plateformes qui existent. Donc ils vont chercher là des millions d'euros par an pour les interprètes qui sont diffusés sur les plateformes numériques. Netflix est en contrat avec eux, Spotify, Deezer, Apple, tout ça est en voilà. Et donc, ça existe, ça marche. Ça n'a pas changé ni le prix d'abonnement des plateformes, ni les rapports entre les artistes et leurs producteurs, parce qu'il y a une liberté contractuelle qui doit continuer à rester. Mais par contre, tous les interprètes sont payés en fonction du succès, en fonction du nombre de streams, en fonction de... Donc, ça existe en Espagne, ça marche. On ne peut pas dire que l'Espagne soit un marché énorme ni très riche, en tout cas moins que nous, en Belgique. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait faisable. L'Allemagne est en train de transposer un peu dans le même sens. Voilà, on a un exemple... En grandeur nature, ça marche, quoi. Ouais. Je voudrais savoir, et c'est vraiment une question collégiale, si la situation qu'on connaît depuis un an a changé quelque chose. Et qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Alors oui, évidemment, il y a une source de rémunération qui a disparu, c'est-à-dire les lives. Quoique, il y a des lives quand même qui ont eu lieu en streaming. Est-ce que ceux-ci sont susceptibles d'être rémunérables ? Je ne dis pas rémunérés, mais rémunérables. Je voudrais faire un petit tour de table sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que cette crise a changé dans un marché qui a déjà beaucoup évolué depuis ces 5 ou 10 dernières années ? Je ne sais pas qui veut commencer, Edouard ou… Je ne sais pas, Edouard ? Ouais. Sur le live à proprement parler, hein, ou le live stream. Non, sur la crise sanitaire qu'on traverse, est-ce que cette crise sanitaire a un impact ? Et cette crise sanitaire ayant supprimé les concerts,
Deuxième partie de question, est-ce que les lives en stream peuvent éventuellement être susceptibles d'être une source de revenus? Ok, la première réponse, est-ce qu'elle a un impact? Bon, oui, il est évident, il y a un impact économique qui est gigantesque. Il y a deux études pour l'instant qui ont mesuré cet impact. C'est une étude de Ernst & Young, donc une grosse boîte de consulting, et une étude de KEA, qui est un bureau d'études qui travaille beaucoup pour l'Union européenne. Ils ont mesuré la baisse des revenus du spectacle vivant sur l'année 2020 à moins 97%. Donc, en gros, il y a 97% du revenu du spectacle vivant qui est tombé, et la musique, c'est moins 33 ou 34%. Donc, c'est une baisse qui est vraiment significative, qui est énorme, qui a des effets de débordement qui sont compliqués. Et puis, il faut bien voir que notre économie de la musique à nous, pré-Covid, elle tenait beaucoup grâce au live, en fait. C'est-à-dire qu'il est tombé le live, et ce n'est pas juste un parmi d'autres sources de revenus, mais les artistes avaient, de leur plein gré un petit peu et par force, abandonner les revenus liés au digital, que ce soit le streaming dont on a parlé, mais aussi toute l'économie plateforme, donc tout ce qui est donné gratuitement sur Instagram, Facebook, etc. Il y avait en gros une économie de la gratuité du digital qui était faite pour nourrir le modèle économique du live. Donc, on donnait tout gratuit en digital, ça faisait de la visibilité, ça remplissait les tickets de concert. Donc, c'est toute notre économie qui est en crise actuellement parce que la manière dont on l'a construite est tombée. Donc, c'est vraiment, c'est pas juste un changement d'un truc qui tombe, c'est toute la manière dont on le concevait qui est tombée. Donc, ça, c'est quand même un point qui est très, très difficile. La chance qu'avait le marché de la musique, c'est que quand on prend les industries créatives en Europe, la musique, c'était le premier qui a été digitalisé. Donc, comparé à d'autres arts en spectacle vivant où la digitalisation était très, très peu avancée, par exemple, le livre, heureusement, il a bien résisté, mais aussi très peu avancé, la musique, c'était celui qui était le mieux préparé parce qu'il était déjà digitalisé. Donc, par exemple, les plateformes de streaming pendant la crise, on a vu quoi? On a vu une baisse du taux d'écoute. Donc, les gens ont écouté un peu moins de musique pendant le Covid. Pourquoi? Parce qu'il manque les transports en commun, en gros. Et donc, comme il manque le temps de travail, le temps pour aller au travail et revenir, on écoute moins de musique. Mais par contre, les plateformes ont augmenté leur nombre d'abonnements. Donc, par exemple, Spotify a gagné beaucoup d'abonnements pendant le Covid. Donc, du point de vue du marché de la musique, il y a un énorme problème dans nos modèles économiques, particulièrement à nous en Europe. Mais du point de vue de la musique en général, de son écoute et des modèles économiques digitaux, il y a plutôt du dynamisme. Donc, c'est un peu à deux vitesses. Il y en a un qui prend cher et l'autre qui, au contraire, s'accélère. La difficulté du modèle digital, c'est que jusqu'à présent, en Europe, on a été complètement largué par toutes les plateformes. Et donc, c'est une partie de l'économie qu'on ne maîtrise plus. Donc, on ne maîtrise ni TikTok, ni Facebook, ni Instagram. Une grande partie des plateformes de live stream, même maintenant, donc LiveStation, YouNow, etc., Maestro, sur lesquels Dua Lipa, par exemple, ont fait leur live stream, sont des plateformes qu'on ne maîtrise plus. Donc, le problème, c'est que la partie qui grossit, la partie qui se renforce, c'est une partie qu'en Europe, sur laquelle c'est une valeur ajoutée qu'on ne capte pas. Donc, c'est ça notre plus gros problème actuellement du point de vue macroéconomique, sans parler donc des difficultés des artistes au niveau quotidien. Donc, ça a changé énormément. Est-ce que le digital, l'avantage qu'on a là, entre guillemets, c'est que c'est un peu un wake-up call sur le digital. On a encore la capacité d'innover sur ces modèles, de choisir des plateformes locales, de construire des plateformes locales, d'aller chercher des nouveaux modèles. Donc là, il y a toute une réserve de valeur que les artistes peuvent aller chercher objectivement, quoi. Alors, c'est en temps de crise, donc c'est difficile parce que ça a généré des situations qui sont très compliqué pour les artistes, mais en même temps, là, c'est pas une impasse aujourd'hui, donc c'est ça qui est positif, c'est que c'est pas une impasse totale, il y a une réserve dans le digital qu'il faut se bouger pour aller chercher maintenant. Mmh, mmh. Christian, Jean-Baptiste, votre point de vue là-dessus? C'était très bien dit, c'est ça en fait. Je rajouterais que cette période, vu que, comme le disait très bien Edouard,
En fait, ça crée une pression de plus en plus énorme et on teste notre capacité de résilience à voir comment on va rebondir. Et c'est pour ça que c'est important de discuter, de s'allier, parce qu'effectivement, donc j'ai fait quelque chose sur Twitch cette semaine pour parler plus du droit d'auteur. Et ce que je disais, c'est qu'il y a une sorte de guerre entre le monde anglo-saxon et l'Europe. Et il faut essayer de quand même l'accepter et d'essayer de s'allier pour montrer qu'on a envie de changer un peu le rapport de force, parce que clairement, il n'est pas en notre faveur. Et c'est ça, pour moi, ce qui change et ce que le Covid a créé, c'est une accélération des pressions et des tensions. Et pour moi, c'est dans ces moments-là qu'au final, on arrive un petit peu plus à s'organiser. Donc, j'ai l'impression que ça a créé quand même beaucoup plus de ponts entre les acteurs de ce milieu-là en Europe pour se dire, oh, on a envie de se défendre aussi. Christian? Je ne peux évidemment qu'être d'accord avec tout ce qui a été dit. Évidemment, c'est tout à fait vrai. C'est clair que, enfin, y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est il y a la perte de tout le pan live, donc les revenus du live, effectivement, sont tous tombés. Mais il y a aussi, et ça c'est en cascade, les revenus des droits, des droits d'auteur et droits voisins, qui vont seulement arriver, en tout cas pour les interprètes et les auteurs, ils vont commencer à le sentir seulement cette année et les années suivantes. Ça, c'est une deuxième vague de perte de revenus. Mais très importante, malheureusement, et ce n'est pas uniquement sur le live, c'est aussi sur les magasins, sur l'horeca, il va y avoir des faillites, il va y avoir. Donc tout ça va créer vraiment une perte de droits. Or, les droits, maintenant, ça représente vraiment quelque chose une grosse partie des revenus des artistes. Donc ça, c'est un problème. Alors, effectivement, ça crée une pression. Et nous, on essaie de s'en servir, en tout cas, pour faire pression sur le politique maintenant, parce que discuter de la transposition de la directive maintenant, alors que le modèle économique de l'exploitation numérique est vraiment devenu incontournable en 2020, et tout le monde le sait, et le politique aussi l'a quand même compris. Donc, je pense quand même qu'on est écouté à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir faire traduire ça en une implémentation proactive, je dirais, de la directive? Ça, c'est une autre paire de manches, mais c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est pour essayer de conscientiser tout le monde, et d'abord les musiciens, qu'il faut se battre, il faut se battre. Et si le monde politique reste frileux et veut juste transposer au minimum la directive comme il doit le faire, sans être un peu imaginatif et sans aller un tout petit peu plus loin, eh bien, ça ne changera rien. Cette directive européenne ne changera rien à la situation actuelle. Et donc c'est vraiment important. Mais il y a une pression parce que, oui, il y a aussi un autre aspect positif. Il y a pas mal de choses qui se sont créées pendant le confinement, mais notamment des fédérations qui n'existaient pas. La fédération des attachés de presse, la fédération des festivals du côté francophone qui n'existaient pas. Ça existait du côté néerlandophone, pas du côté francophone. Donc, c'est quand même positif à ce point de vue-là. Bon, c'est positif dans le négatif absolu, mais c'est quand même Une des positif. questions que je voulais poser justement aussi, on l'a vu, et pas seulement dans le domaine musical, mais si, je dirais dans le domaine artistique en général, c'est tous les arts vivants, c'est le théâtre, c'est les techniciens aussi, c'est tous les gens qui sont représentés par toutes les associations qui finalement, par le passé, étaient un petit peu, faisaient leur boulot chacun dans leur coin. Qu'est-ce que cette unification, enfin, ou réunification, en tout cas, cette voix qui est beaucoup plus unique peut changer dans la défense des droits et dans la défense aussi de la création musicale dans notre pays. Je ne sais pas qui a envie de répondre à ça. Christian, parce que tu as abordé peut-être le... Voilà, c'est toi qui as apporté cette idée-là sur le... Oui, répète-moi la question si tu veux bien. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut amener justement le fait que toutes ces fédérations qui défendent les artistes musiciens, techniciens, etc., des arts vivants, qu'est-ce que ça peut apporter aux artistes aujourd'hui et à leur création? Bah, se fédérer, ça c'est clair que c'est essentiel. On est déjà un pays extrêmement compliqué avec. Une quantité de ministres qui ont la même compétence incroyable, des cultures différentes, des régions qui sont. Enfin, bon, c'est très compliqué au niveau institutionnel
et culturel, c'est vraiment un casse-tête. Donc, c'est vraiment important qu'on se parle à travers les deux communautés et qu'on soit unis dans, ouais, oui, pour essayer d'améliorer les choses et de défendre nos intérêts. Oui, tu, JB. Non, mais c'est exactement ça. La fédération, ça a fait. En fait, on communique. On a tous, mine de rien, on est tous face à des cas différents, puisque la musique, c'est très complexe aussi, et c'est que du cas par cas. Et si on s'allie, on va forcément avoir un propos beaucoup plus concret et travaillé, argumenté. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les politiques, qui eux, comprennent rien. Enfin, sans jugement, hein, c'est un autre métier et tout ça, mais. Le métier particulièrement de la musique et de la culture. Et moi, je sépare un peu le divertissement et la culture et la musique, même si c'est, je pense, un point de vue politique aussi. Mais c'est très compliqué. C'est des humains qui, quand même, ont choisi, pour la grosse majorité, de faire un métier par passion et pas par profit. Et ce n'est pas non plus anodin. Est-ce que pour les jeunes artistes, c'est de plus en plus compliqué dans ce cadre-là et dans ces contraintes-là que le nouveau marché leur impose, de trouver leur identité et de la garder finalement? C'est une des questions aussi que je me suis posée, parce que c'est vrai qu'à force d'essayer de trouver une niche, de trouver un public, de trouver en même temps de faire vivre sa propre musique, sa propre identité, est-ce que ce n'est pas de plus en plus compliqué de tenir la route, quoi? Je ne pense pas, moi. Non, moi, je ne pense pas non plus. Ouais, non, du coup, moi, je ne pense pas, parce que, en fait, c'est une question de Twitch, par exemple. Moi, je vais en reparler, mais j'adore cette plateforme pour une raison principale. Édouard en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est important de savoir où on va aussi sur les plateformes, d'identifier et tout, parce que Twitch, il y a des gens qui sont en train d'y arriver pour tester, sauf que Twitch, c'est particulier, c'est basé sur l'interaction, le direct et la spontanéité. Et en fait, dans cet esprit de spontanéité, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça de trouver sa niche, parce qu'en fait, tu fais ce que t'aimes, et en faisant ce que t'aimes, tu vas trouver ton public. Et même dans les majors, tout ça, ils l'ont compris. Ça parle beaucoup de storytelling, et le storytelling, c'est ça, en fait, c'est de comprendre c'est quoi ton histoire, c'est pas de la créer, c'est quoi ton histoire, et ça suffit, en fait. Le propos, il est là. Quand t'es un artiste, pour moi, c'est ça, c'est d'aller quand même au fond de ce que tu veux faire et de tout faire pour le rendre accessible. Mais pas de le modifier. C'est pas la même chose. Hein. On peut avoir un univers musical et avoir du mal parfois à le communiquer, tout simplement. C'est pas le même métier. On demande aujourd'hui aux musiciens et aux artistes en général d'être à la fois des artistes, des communicateurs et des entrepreneurs. C'est quand même, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Il y a déjà à peu près une heure que nous sommes en train de parler. J'invite bien, évidemment tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, à poser leurs questions. J'ai une remarque de Léo Endekat, qui est très content d'avoir pris des cours d'espagnol et d'allemand pour pouvoir s'exprimer dans. Alors, il y a une question de Patricia, que je salue. Patricia Mode, quelle stratégie recommandez-vous à un artiste autoproduit en développement pour sortir sa musique en ligne? Est-ce que vous préconisez, recommandez un deal avec un agrégateur? On a parlé des agrégateurs. Est-ce que vous recommandez plutôt un focus sur une plateforme plus accessible, genre Bandcamp ou autre? Qui souhaite répondre à la question de Patricia? Oui, moi je veux bien. Oui, bonjour Patricia, déjà, si c'est bien toi. qu'est-ce que je pourrais dire? Un agrégateur, c'est pratiquement, oui, la seule solution pour être sur les grosses plateformes de streaming. Et il ne faut pas juste se dire, est-ce que j'irai sur Bandcamp ou sur Spotify? Non, il faut être partout. Ça, il faut exclure aucune plateforme, il faut être partout en même temps. C'est la seule manière. Et pour être sur Spotify, Apple, Deezer, Amazon, Tidal, il y en a encore plein d'autres. Il n'y a qu'une une manière de le faire au départ de la Belgique francophone. C'est soit de autoproduit, hein, je parle, c'est de prendre un agrégateur pour être pour rentrer sur toutes les plateformes en même temps. Hein. Oui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question-là de... En fait, il faut dissocier le logiciel qui va t'aider à pousser ta musique sur les plateformes
Et donc, effectivement, je sais pas, les deux que tout le monde utilise, c'est DistroKids et TuneCore. TuneCore, c'est le logiciel qui a fondé Believe au départ et qui est maintenant un leader mondial. DistroKids, c'est le même service, un petit peu moins cher. Donc, souvent, les indépendants, ils l'utilisent parce que ça coûte un petit peu moins cher. Mais je crois que le niveau de service est à peu près égal entre les deux. Ça, c'est vraiment juste pour pousser la musique sur les plateformes. Mais effectivement, pousser la musique sur les plateformes, c'est vraiment juste la base. Ça ne dit pas grand-chose sur comment sortir ta musique. Si la question, c'est mettre sa musique en ligne, alors DistroKids, TuneCore, c'est très bien. Mais si la question sortir sa musique, c'est pousser sa musique, là, il faut trouver une plateforme qui correspond à l'ADN de ton projet. Donc, par exemple, si ça va être de la musique électronique, ça va être plutôt une plateforme. Si ça va être de la musique urbaine, ça va être plutôt une autre. Et là, justement, commencer à trouver une communauté, l'agréger, la faire vivre, etc. Ouais, tu as parlé de TuneCore. Que penser, parce que ce sont des questions qu'on nous pose, est-ce que tu connais un service comme CD ou CD Baby? Ouais. Ouais. Et alors, il y a eMusician aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez... Il y en a plein. Il y a différents niveaux de... Voilà, il faut choisir celle qui correspond le mieux à ce qu'on veut oui. Et qui est peut-être la moins chère ou la plus facile à utiliser ou qu'est-ce qui donnera le plus d'informations après. Ça, il ne faut pas oublier. Le reporting, c'est quand même extrêmement important. Là je prends ma casquette, je prends ma casquette de label. Nous, on est chez Believe sur toutes les plateformes. Et au niveau reporting, bah, c'est quand même des outils qui nous permettent d'avoir une vue très précise sur toutes les plateformes, sur tous les revenus, en temps réel. Donc, c'est important. Évidemment, c'est encore beaucoup plus important pour un label qui a un catalogue, mais c'est aussi important pour l'artiste qui veut savoir où il est écouté, sur quelle plateforme. Est-ce que peut-être il y a un petit buzz à Berlin sur Spotify? C'est intéressant à ce moment-là d'essayer d'atteindre les journalistes ou des plateformes d'accès à sa promotion ou du live à Berlin. Voilà, c'est tu parles c'est de labels. Il y a justement, Christian, une question qui concerne les labels, labels ou pas labels finalement. Donc la question, c'est les artistes de nos jours ne peuvent plus être que des artistes. Ils doivent aussi gérer ce qu'à l'époque le label faisait. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui c'est avec ou sans, quoi? C'est un peu, c'est quoi? C'est une question qui n'a pas, est-ce que pas c'est de réponse. Sans label, mais ça dépend d'un projet à l'autre, ça dépend d'un artiste à l'autre et ça dépend d'un label à l'autre. Il faut réfléchir d'abord à ce qu'on veut et voilà. Il y a quand même une lame de fond qui est l'indépendance, quoi. C'est-à-dire que pour la première fois dans les Grammys cette année, il y avait une majorité d'artistes qui ne faisaient pas partie de labels majors et qui ont été récompensés aux Grammys. Donc en fait, il y a quand même une tendance générale qui est qu'une grande partie des artistes que vous écoutez, ils font des deals avec des labels qui sont des deals de distribution assez simples et ils gardent la majeure partie de la propriété intellectuelle de leur travail. Et ils font beaucoup effectivement eux-mêmes en fait. Donc est-ce qu'un artiste aujourd'hui fait ce que le label faisait à l'époque? Oui, en fait, il y a quand même une tendance lourde à une plus grande indépendance, quoi. Oui, bah, déjà il faut, enfin ça dépend. Un label ne travaille pas toujours de la même manière avec chaque artiste. Nous, on a quand même des relations qui sont pratiquement au cas par cas. On a des contrats. C'est tout l'intérêt de labels indépendants et des petits labels indépendants, c'est qu'ils peuvent vraiment faire une relation au cas par cas. Donc si quelqu'un a déjà un produit fini, veut juste le promotionner, l'exploiter, eh bien on a un type de relation. S'il veut par contre, s'il n'a pas les moyens de se produire, on a un autre type de relation. Si même il veut collaborer à la production mais avec un coproducteur, on peut aussi, voilà, chaque relation est différente et c'est ça qui est tout l'intérêt des petits labels indépendants. Oui. Je continue à lister un peu les questions. Il y a une question que Patricia pose, mais je vais la garder pour dans quelques instants. Donc, patience, Patricia. C'est une question très concrète. J'ai aussi une remarque et une question. C'est un petit peu les deux de Biche de Ville qui dit, vous dites qu'il faut se battre, mais je pense que si nous sommes là debout
et debout aujourd'hui, c'est justement parce que nous nous battons. La crise de cette année nous a forcés à nous réinventer, constamment à prendre en main de plus en plus de choses concernant notre carrière, de la prod à la promotion, de la forme au fond. On doit être talentueux, talentueuse, pertinent, etc., séduisant. En vous écoutant, j'ai l'impression que nous devons prendre encore plus sur nos épaules. Est-ce ça la finalité de nos carrières, les gérer entièrement sans attendre d'aide? Sauf que sans être, nous ne sommes pas dans la lumière. Donc, c'est à la fois un constat de ce dont nous avons parlé, presque une conclusion, un constat et une question aussi, finalement. Je ne sais pas qui peut répondre. Moi, je veux bien parler de ça parce que c'est justement mon propos. C'est pour ça que je fais ce que je fais actuellement. C'est que je voyais qu'il y avait un manque d'accompagnement sur certaines musiques. Par exemple, l'édition dans le punk hardcore, c'était un sujet tabou. Ça l'est toujours pas mal. Mais voilà, le truc, c'est ça. C'est que dire qu'un artiste est tout seul, c'est pas totalement vrai. Il y a d'autres gens comme nous trois, nous quatre, qui sommes là pour accompagner en fait, des artistes. Ça dépend ce qu'on appelle accompagnement. Et aussi de croire que des gros artistes de major ne font rien de leur carrière, ils sont dans un canapé, ils écrivent leurs morceaux chez eux et ils font que ça, c'est pas vrai. Une artiste comme Angèle, elle va faire ses storyboards de ses stories Instagram comme ses morceaux. Donc, un artiste, c'est aussi avoir le contrôle de sa carrière. Ça a toujours été, en fait. Ce n'est pas une nouveauté. C'est juste, justement, à une certaine époque, des artistes n'avaient pas tant de contrôle sur leur carrière et pensaient l'avoir. Et c'est ça qui change. C'est que les majors, leur contrat avant était beaucoup plus bloquant et ils ont compris que ce n'était pas le futur. Et il y a de plus en plus d'opportunités, de possibilités vers l'indé. Et c'est ce que disait Edouard. Les Grémy le montrent très bien. Le futur, c'est ça. C'est des plus petites équipes. C'est pour ça que je parlais de sobriété tout à l'heure. Je disais pas construire des trucs en bricolage. C'est juste que travailler un album avec une équipe de 250 personnes, c'est peut-être pas ça le futur. Et c'est ça, en fait. C'est peut-être qu'avec 10 personnes, on peut faire un taf super aussi, quoi. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que ce n'était pas forcément mieux avant, parce qu'avant, il y avait des contrats qui mettaient aussi les artistes pour la paille. Hein, donc, il ne faut pas croire que parce qu'il y avait un label ou une maison de disques, c'était, et les exemples sont nombreux, c'était le Nirvana. Je reviens à la question. Je rajoute un mini truc. En fait, il y aurait eu une première partie dans l'industrie de la musique où les artistes ils avaient besoin de beaucoup d'assistance pour produire de la musique, et cette période-là, elle est à peu près terminée, quoi. Faire de la musique, ça, c'est relativement facile maintenant. Et je trouve que ce qui est intéressant maintenant, c'est que pour créer une communauté et la monétiser, on rentre dans la partie où ça aussi, ça devient possible à l'échelle d'un artiste, en fait. C'est-à-dire que quand vous étiez un artiste il y a 5 ans, 10 ans, vous ne pouviez pas le faire sans label, vous ne pouviez pas le faire sans assistance. Pour moi, l'enseignement numéro un, c'est que depuis le Covid qui l'a accéléré, mais c'était un mouvement qui est de toute façon arrivé, aujourd'hui, un artiste, il a la capacité de créer un modèle économique, en tout cas là, sur le digital, par lui-même, et maintenant il a les outils pour le faire. Donc ça va nécessiter beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'échecs, d'essais, d'erreurs, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on est face à un truc qui est plutôt excitant, qui est que si on veut le faire, en fait, on a plein d'outils qui nous permettent de le faire. Oui, et tout ne se dématérialise pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, Edouard, il y a aussi une source de revenus dans les goodies, dans des trucs qu'on peut vendre via Internet, même des disques en vrai, en dur, qui peuvent encore continuer à se vendre via le web. Donc, je reviens à la question de Patricia, parce que c'est très bien, aujourd'hui, on se dit l'artiste doit être en effet à la fois créateur-entrepreneur, mais quel budget faut-il prévoir aujourd'hui pour sortir un EP ou un album en autoproduction en ligne? Et alors, deuxième partie de sa question, quel guichet de financement en Belgique pour soutenir ces budgets de développement Belgique ou inter? Voilà, donc je ne sais pas, donc il y a deux questions là, il y a le budget et les guichets. Moi, je crois que à toutes ces questions, il n'y a qu'une réponse, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de... C'est ça qui est fabuleux et qui est excitant. C'est qu'on peut, créer ce qu'on veut. Voilà, il faut... Un EP, il n'y a pas de budget type pour un EP. Ça dépend. Il y a plein de musiques différentes, il y a plein de manières de faire. C'est impossible à répondre. Moi, je dirais surtout qu'il faut essayer de construire des équipes.
autour d'un projet, des équipes complémentaires. Donc, il ne faut pas se dire, est-ce que je dois aller chez un label? Est-ce que je dois prendre un éditeur? Est-ce que je dois prendre un manager? Non, il faut se dire, qu'est-ce que je suis capable de faire moi-même? Qu'est-ce que je veux faire moi-même? Qu'est-ce que j'ai le temps? Quel temps je vais consacrer à ça? Et construire les équipes en fonction de ces lacunes, de ces envies aussi. Voilà, plus on a de casquettes, plus on a de boulot. Oui, mais je suppose qu'aujourd'hui, il faut aussi en effet prévoir. Ben, c'était dans le temps, on prévoyait un budget pour produire, pour enregistrer, pour mixer, pour tout ça, et puis après pour sortir l'objet. Aujourd'hui, l'objet est complètement dématérialisé. Est-ce qu'il y a aujourd'hui besoin d'un budget, et est-il plus important ou moins important pour justement pouvoir mettre en ligne, pour pouvoir justement se placer sur les différentes plateformes, pour pouvoir trouver son public? C'est moins important. Bah, ça va dans ce que disait Edouard tout à l'heure. Ouais. C'est de plus en plus simple, notamment parce que c'est beaucoup moins cher. Tout est beaucoup moins cher. Maintenant, en home studio, ça permet de faire beaucoup de choses, sachant que 70% de la musique qui est écoutée sur les plateformes, c'est du hip-hop. Et le hip-hop, au final, il n'y a pas besoin d'avoir 8 musiciens en studio pendant 15 jours. Et ça réduit vraiment beaucoup les coûts et ça rend tout plus simple. Mais par contre, ça crée d'autres problématiques, vu que du coup, il y a beaucoup plus de musique. Ben oui, donc on l'a dit, hein, 60 000... Et moins de musiciens. Et moins de musiciens. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il faut prévoir de l'argent pour les relations presse, par exemple, qu'on ne faisait pas forcément avant. Il faut prévoir de l'argent pour acheter de la publicité en ligne, ce qu'on faisait un peu moins avant. Donc, il y a des nouvelles sources de coûts qui prennent le relais parfois de coûts qui sont tombés d'avant. Oui, et puis les anciens coûts n'ont pas disparu non plus. Quand on sort un EP ou un album, nous, en tant que label, on le fabrique encore parce qu'on peut en vendre au concert et que la vente des supports physiques au concert, ça représente, c'est encore là où on peut les vendre facilement. Et toucher les fans directement. Et donc, c'est pas, les anciens coûts ne sont pas tombés pour autant. Et un attaché de presse traditionnel, il faut quand même toujours le payer de la même manière qu'avant. Mais en plus, il faut investir, comme disait Edouard, il faut investir dans des budgets marketing purement digitaux, faire de la pub sur Facebook, faire de la pub. Voilà, et ça, c'est des petits coûts, mais qui, mis bout à bout, ça représente un budget, oui. Donc, deuxième partie de la question de Patricia. Quel guichet de financement en Belgique pour soutenir ces budgets de développement? Il y en a... Alors là, je peux peut-être quand même parler, juste parce qu'on a créé un fonds, le Fund Belgium Music. Ça, c'est aussi, quelque part, le résultat de la crise. Voilà, avec Sabam for Culture, Playwright Plus et les deux fédérations de musiciens belges, on a créé un fonds pour financer des projets. Donc, on va lancer un deuxième appel à projet bientôt. Le premier, il faut quand même le dire, moi j'ai un peu indirectement participé à ça. Ça a eu un succès énorme. Il y a eu énormément de demandes. Moi qui ai examiné à peu près une cinquantaine, une soixantaine de dossiers, c'était vraiment, il y avait de la qualité. Les places sont chères quand même, non? Oui, c'est pour ça que le but du fonds, c'est d'attirer des dons, d'abord des fans, des fans de musique, des entreprises, pour essayer de financer la scène belge et la relance de la scène belge. Alors ça, je veux dire, c'est quand même un point positif de la crise, c'est que c'était un projet qu'on avait déjà dans nos tiroirs avant. On avait déjà discuté entre les fédérations et entre Sabam et Playwright de la possibilité de faire un fonds d'investissement purement belge du secteur lui-même, mais bon, on n'avait pas encore trouvé la manière de le faire, et puis la crise est arrivée et on s'est dit il faut le lancer tout de suite, et voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc je ne dis pas que c'est le seul, c'est une des possibilités, il y a plein d'autres possibilités de financement. C'est très compliqué parce que on n'a pas une vue très claire de tout ce qui existe en Belgique. Du côté flamand, c'est très différent que du côté francophone, Bruxelles, enfin, il y a plein de possibilités différentes, des subsides, il y en existe. Voilà, il faut un peu se renseigner. Très bien, on va conclure avec une dernière question.
qui nous est posée là sur l'onglet de discussion. C'est une question collégiale, Badcamp ou site classique. Vous recommandez lequel, messieurs? Une question de gestion. Les deux, comme les deux. Tout à l'heure. Il faut, en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut occuper l'espace. Oui. Et donc, il faut accepter que faut effectivement être polyvalent, être curieux et s'intéresser aux nouveaux sites, nouvelles plateformes, nouvelles technologies, nouvelles manières de les consommer. Et on n'a pas le choix. Et ça, que vous êtes artiste ou manager, éditeur, booker, c'est le problème comme ça pour tout le monde. Moi, j'ai un ami booker qui, sur leur page de booking, ils commencent à faire des blagues, en fait. Il est booker et community manager parce qu'il a de l'humour et il commence à faire des phrases. Enfin, voilà, on est obligé d'être ultra polyvalent et essayer d'occuper l'espace comme on peut. Et ouais. C'est ça, et pour moi, le plus sincèrement possible. J'ai une dernière question. C'était la première, ce sera la dernière. Et je voulais connaître, parce que on a présenté un paysage qui est en mouvement, où il est peut-être très difficile de trouver son identité, mais aussi de trouver un chemin parmi toutes ces choses qui changent, et Christian l'a rappelé tout à l'heure, qui changent régulièrement. Il suffit d'être distrait pendant un mois ou deux et le paysage a changé. Donc, c'est quoi vos conseils, finalement, pour en terminer, vos deux, trois conseils pour justement... tous ceux qui veulent démarrer et qui veulent évoluer dans ce marché, les principaux conseils, vos principales portes d'entrée. Je vais commencer par toi, JB, pour conclure. Je vais essayer d'être simple, mais en gros, je disais tout à l'heure, être curieux, c'est hyper important, en fait. C'est bête à dire, mais je le pense sincèrement. Et aussi, tout le temps accepter le fait qu'on ne sait pas. Parce que dans la musique, ça change tellement tout le temps que penser que tu as compris tout et que en fait ça marche pas parce que les autres ont tort, je pense que c'est vraiment pas la bonne manière d'aborder les choses dans la musique. Dans d'autres domaines, peut-être ça marche, mais vraiment dans la musique, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut tout le temps se remettre en question. Et bien se faire conseiller, je suppose aussi. Forcément. Oui, bien sûr. Bah, bien s'entourer, je pense que c'est un conseil qui marche dans tous les cas. Faut bien s'entourer et parler avec les gens. Je sais que moi, je suis donc éditeur. Quand j'arrive avec un contrat d'édition, c'est pas forcément toujours bien accueilli. Mais justement, je dis lis-le, pose-moi des questions, appelle-moi et tout ça, et je vais expliquer ce que c'est le droit d'exécution publique, ce genre de choses, des trucs qui peuvent donner des boutons. Mais au final, avec un peu de temps, ça fonctionne et ça crée des relations beaucoup plus saines. Donc c'est ça, être curieux et pas se braquer, essayer de se remettre en question. Et c'est ça, en fait. Édouard ? Moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est mon truc, mais moi, je lis pas mal dessus et je pense que lire sur ces sujets, se former, c'est intéressant. Alors, moi, je vous mets trois liens dans la conversation. Ça, c'est une étude d'un fonds d'investissement américain qui est sur la créateur économie. Donc, vous allez voir, c'est en anglais. Il parle assez peu de musique, beaucoup d'influenceurs, mais si vous voulez vraiment une typologie de tous les modèles par lesquels maintenant on gagne de l'argent sur Internet, c'est vraiment une super synthèse que j'ai vue. Sinon, il y a une newsletter, mais je pense que Jean-Baptiste et Christian doivent connaître, qui s'appelle Music Zone, qui est une newsletter très réputée, vraiment très qualitative sur le business de la musique, sur l'innovation, qui est quand même assez chouette. Et moi, je reçois tous les jours un truc qui s'appelle Digital Music News. Et ça, franchement, ça me forme assez bien aussi. C'est très américain, par contre, là, mais il y a un peu les gros sujets et tout. Donc moi, ce que je conseillerais d'abord, c'est de se former un peu soi-même comme ça, en écoutant, en lisant des trucs. Et puis comme ça, ça permet de vérifier que les gens qui vous accompagnent les lisent aussi et que vous avancez avec des gens qui sont un peu au taquet sur ces questions, je pense. Oui, et puis surtout faire circuler l'information, je crois que c'est le principal. Un dernier mot, Christian, un mot de conclusion aussi et quelques conseils. Je suis d'accord, ça peut ne pas rester dans son coin, parler beaucoup aux autres, aller voir les gens, ne pas avoir d'idées préconçues sur ce qu'est un label, un éditeur, ce que doit être un artiste, une plateforme. Il faut parler à tout le monde et mieux essayer de comprendre ce dont on a besoin et comment on peut se positionner par rapport à ça, c'est vraiment important. Ne pas oublier de s'inscrire dans la société de gestion collective, c'est vraiment important. C'est gratuit chez Playwright,
Voilà, il faut le faire, évidemment, c'est la seule manière de gagner de l'argent en droit voisin pour les droits à rémunération, donc il faut le faire. Et aussi, ça a formé, parce qu'on fait beaucoup de workshops. Bon, évidemment, pour le moment, c'est un peu à l'arrêt, parce que pour les raisons que vous connaissez, mais des newsletters, il ne faut pas hésiter à appeler les gens à se renseigner, à lire effectivement toutes les. Il y a des endroits, des lieux où on peut à un moment donné sur le net se tenir au courant. Ben, on a parlé de la directive tout à l'heure, mais de l'évolution de cette directive et de son adoption ici en Belgique, parce que ça ne va pas faire la une de l'actualité, je pense. Donc il faut être attentif à ça. Ben, on va essayer que ça se fasse le plus possible de l'actualité. Oui, on va sans doute lancer une campagne de communication oui, là-dessus. Mais c'est clair qu'on informe tous nos membres, les réseaux sociaux, il faut se tenir au courant. Il y a quelqu'un qui demande quel est le nom précis de cette directive. C'est la Copyright Directive in the Digital Single Market. C'est un numéro que je ne connais pas, le numéro de la directive. Oui, mais il suffit de chercher un petit peu directive. Voilà. Copyright Directive. 2019, on tombe très rapidement dessus. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci à ceux qui nous ont accompagnés durant cette heure 20 de conversation. Merci Edouard, merci Christian, merci JB. Merci à toi. Je pense qu'on a essayé de faire le tour, c'est compliqué. Il faudra peut-être un deuxième débat, qui sait, pour vraiment trouver des réponses définitives, ou peut-être dans 6 mois, parce que le paysage aurait complètement changé. Merci en tout cas. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Merci à tous.